17 moun mouri ak bal, sans compter 189 lot blessés, c'est bilan partiel. Ensemble, manifestation qu'a faite dans quatre coins payant pour exiger président Jovenel Moïse Paty, d'après réseau national qu'a défendu droit moun yo. RNDDH en pile moun nan victime yo enregistré dans le département nord ak nord-ouest payant. Dans dernier rapport, organisation droit moun nan li profité, recommandé. Inspection générale police nationale a l'ouvri enquête sous toute zak répression qui fait sous population qui continue à manifester pour dire non à régime tête caléa en suivant papier à Johnny Ferdinand. Depuis environ 3 ans, on pas descendre en bas pas monter. Aucune institution pas fonctionné. L'école, la banque, bureau l'État, petit commerce, toute activité paralysée. C'est résultat d'une série mobilisation contre pouvoir en place là qui démarrait dans divers coins de pays à depuis lundi 16 septembre 2019 là. Pendant mouvement protestation anti-gouvernementale ça yo, information yo fait quoi, gen plusieurs chrétiens vivants qui tombaient en babal, en pile l'autre blessé, sans compter machine, business et commissariat qui boulait. Journée jeudi 3 octobre là, dans une conférence pour la presse, inspection générale la police là annoncé yon enregistré 5 moun qui mouri ak bal et puis plus passé yon vingtaine blessé. Dans un communiqué qui pote signati réseau national k'ap défendre droit moun yo RNDDH qui pote même date 3 octobre là, organisation droit moun lan fait konnen soti 16 pour arriver 30 septembre, gen 17 moun qui mouri parmi yo 2 ti moun, gen pou pipiti 189 les autres qui blessé. RNDDH expliqué nan 17 moun qui mouri yo gen 15 ladan yo ki tombe en babal. Yon mouri tout fait, l'autre la même si yon élève l'école machine frappé. Accident sa fait à cause barricade dans la rio dans zone Portail Gap dans commune Saint-Marc. Réseau allé plus loin pour expliquer nan moun ki mouri ak bal yo gen 9 yo recensé dans nord pays parmi yo 6 nan ville Cap. Toujours d'après RNDDH, nan 189 moun ki blessé yo gen 117 ladan yo c'est bal ki blessé yo. Gen 72 même c'est à couteau, manchette, ponya, bouteille, roche pour ne citer ça yo seulement. 46 nan moun ki blessé yo soti nan département nord. Si nou dwe kwè RNDDH, gen 21 ladan yo se partisan pouvoir ki ta louvri coup de zam sou yo nan rond-point Samari nan date 27 septembre lan, alors que yo ta prepare yo pour al participer nan yon manifestation pour mande président Jovenel Moïse rachèman yo kliba ite. Réseau national k'ap défendre droit moun yo ale pi loin pou di pendant même période ça, gen 6 journalistes qui passé mauvais moment en bas main individu ak zam. 3 nan Jacques Mel, yon nan Kafou, yon nan Port-au-Prince, l'autre la même nan Delma. RNDDH ra poursuivre pour dit sorti 27 pour arriver 30 septembre, manifestant yo rive attaquer et puis mette di fe nan pou pipiti 5 commissariat. Base Udmoa nan Cité Soleil, sous commissariat Frécinois nan Saint-Marc, sous commissariat 4 Chemin nan Ville Okay, sous commissariat Tomodlan, côté yo boule rapiété 3 machines institution police là. Yon l'autre côté, réseau a dit li noté gen individu ak zam proche pouvoir kap marcher côte à côte avec la police nan opération yo. D'après RNDDH, pouvoir engager moun sa yo pour simer la troublaï nan manifestation contre Jovenel yo nan tirer sous manifestant yo. Gen nan individu sa yo RNDDH kap pale toujours qui marchait bras sous bras ça ak nouveau délégué départemental Jovenel Moïse fek sot nommen yo. Organisation an prend exemple yon photo qui ta fait nan date 30 septembre nan moment installation nouveau délégué Noa Piero de Gaulle Augustin côté Mouchea entouré ak yon série nèg ki pote ancien uniforme FADH a mejouk nan dan. Réseau national kap défend droit moun yo signalé présence policier ak kagoul yo nan manifestation yo bay l'impression ces affaires répression kap régler c'est pas pour protection. RNDDH fini pour mander direction générale police là prend toute disposition pour éviter civil exam participer dans opération la police yo, et puis on l'autre bord pour garantir droit citoyen yo gagnent pour exprimer yo libre. Réseau national k'ap défendre droit moun yo fini net pour mander inspection générale l'ouvrir une enquête pressé sous zak répression kek unité dans la police là tant que Simo ak Udmo ta komet sous population. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Johnny Ferdinand, yon ancien regradé dans la médaille d'Haïti, général Era Abraham Sotin en silence li pour fixer position sous crise politique sans pareil, cap grassé bil pays et qui paralysé la vie depuis tantôt
4 semaines, Ira Abraham t'a joué un rôle historique après départ président général Prosper Avril suite à un mouvement populaire qui t'a pral fait le perdre du pouvoir et qui t'a pral mener dans la Cour cassation pour choisir un juge, premier femme juge Erta Pascal Trouillot pour assurer transition qui t'apprend à le mener à élection démocratique, première élection démocratique qui t'apprend à le mener justement à victoire Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir. Ira Abraham dit en tant que patriote concerné li engagé dans une démarche pour joindre une solution dans la crise qui durait trop longtemps selon général là nous invitons à écouter dans un message pré-enregistré. Ira Abraham. C'est avec beaucoup de tristesse que moi, lieutenant général retraité Ira Abraham FADH, je m'adresse à vous aujourd'hui où mon pays, notre patrie Haïti, se retrouve dans l'impasse. Nos fils, filles, petits-fils, petites-filles, estimant que leurs cris ne sont pas entendus, s'entre-déchirent dans les rues, détruisent le peu d'infrastructures, de bâtiments publics, de maisons de commerce qu'il nous reste. Nous souffrons, nous perdons tous de l'espoir un peu plus chaque jour. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Une fois de plus, le patriote concerné que je suis, sachant en a trouvé une issue bénéfique à cette crise qui n'a que trop duré. Après beaucoup de consultations et maintes réflexions, j'exhorte toutes les forces vives de la nation, spécialement les femmes et les jeunes, à œuvrer pour une solution susceptible de redresser la barque nationale. De ce fait, j'invite tous les patriotes, les leaders communautaires à me rejoindre pour nous impliquer dans la recherche, la validation et l'accompagnement d'une option salutaire qui devra mener Haïti vers une destinée stable et prospère. Vous, les élus du peuple, qui êtes au cœur du scandale, faites preuve de dépassement et de bonne foi en appuyant, en améliorant et en accompagnant cette initiative. Soyons unis, chers compatriotes, pour éviter une nouvelle souillure de la première République noire du monde. Travaillons ensemble pour faire d'Haïti un pays accueillant, propre, vert, pour qu'on n'ose jamais plus le traiter de shithole. Disons tous non à la haine, non à la confrontation, non à la pauvreté, non à la misère, non à l'impunité, non à la corruption, non aux inégalités, non au monopole, mais oui à l'inclusion, oui à la solidarité, oui à l'entraide, oui à l'abondance, oui à l'amour. Que Dieu nous garde et bénisse Haïti. Voilà, ancien général, actuellement général retraité dans l'armée d'Haïti, Ira Abraham, qui sortit dans le silence pour finalement fixer position sous crise Haïti trouvée. Journée Jodia, en tant que patriote concerné, il est engagé dans une démarche pour joindre une solution dans la crise qui durait trop. Il écrit après en pile consultation avec réflexion, l'invité toute force vive nation et spécialement femmes avec jeunes au travail pour joindre une solution qui est capable redresser bac pays à consa, l'invité toute compatriote, leader communautaire pour joindre à clé une façon pour impliquer yo dans chercher valider accompagner pour joindre une porte sortie qui mener pays à sur route et stabilité et ak prospérité pendant l'invité tout élu yo qui journée jeudi a fait objet et scandale qui marqué pays pour yo fait preuve dépassement yo ak bonne foi yo dans courir ak accompagner initiative ça initiative qui visait pour joindre une solution dans crise pays a ça veut dire qui ça guerrier le on monte en courira Abraham qui était pendant longtemps loin et la presse bien que après dernier gros expérience li était fait dans direction PIA et j'en rappelais li le général Prosper Avril t'a quitté PIA donc c'est lui-même qui était assuré transition était très courte hein, pour te venir déboucher sous choix ta Pascal Trouillot quand t'a pris ministre affaires étrangères sous
La tortue, oui. Et là, nous patandil depuis l'EA, depuis l'ESA. Donc, non, situation ça, nous y est là, je dis à côté, il y a un pile voix qui a pleuvé, un pile appel qui a fait pour demander dialogue, pour demander à ce que une solution qui joue dans la situation. Et voilà, général là, les palais pour demander à ce que nous fassions même route ça pour être capable. Et rejoindre le pays, j'en étais un pays dans la paix, un pays qui a une prospérité. Oui, et il y en a pas de sinon, dans le texte là, que nous sommes capables de mettre accent sur lui, c'est que il dit moi invité tout patriote, tout leader communautaire pour nous mettre tête ensemble avec moi, avec moi, pour nous marcher, pour nous joindre et puis supporter une solution qui pour mener à Haïti dans un avenir prospère sans chirépit. Donc, est-ce que c'est une façon pour dire que lui même là pour ta jouer rôle médiateur ou bien mitan jouet Jean yo relé là puisque nous là gon paquet institution qui yo même censé qui pas en mesure pour jouer rôle ça d'ailleurs nous religion pour la paix qui lui même dit yo était d'accord sur principe chita tande ya, mais le fait que opposition a dit yo pas nan chita tande ak président Jovenel Moïse, donc il est obligé de râler quoi tout doucement. Donc, lui, arrêté pour nous tendre, qui impacte, en tout cas, déclaration générale là, pour le gagner sous sa capacité là, puisque personne n'a acteur, il n'a pas voulu chita ensemble pour t'ajouter une solution dans la crise. Et concernant la cérémonie pour relouvrir le tribunal de jeudi, nous commençons à gagner l'autre information l'autre information. C'est possible parce que la cérémonie, je l'ai prévoit dans la Cour cassation, il n'est pas déroulé comme ça. Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, gagner un conseil qui était attire attention pour dire que mais moi d'homme c'est une façon pour dire que le président les déclaré président de la Cour de cassation le déclaré année judiciaire les démarrer et mais nous pourrons confirmer ça avec maître Rondo Saint-Villiers qui c'est président association magistrat qui sans doute gagner plus information sur est-ce que a une cérémonie ou pas matin dans niveau la Cour de cassation. Maître Rondo Saint-Villiers, bonjour, n'a pas appelé au cédoyen tribunal civil Jacques Mellan qui toujours était président association professionnelle magistrat. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Ruel Wenné, m'a salué Météo Nantes et salué tout auditeur de plus Radio Caraïbes. Oui, et donc nous t'as essayé de parler là sur mémorandum ça nous qui sorti côté président en cours de cassation qui c'est également président CSPJ il a annoncé reprise activité ou même qui dans système là est-ce que ça t'avait dit pas bon cérémonie officielle matin là dans la cour de cassation pour l'ouvrir année judiciaire là. Bon, effectivement et mémorandum là li clair et parce que en fait à travers lui-même et président et cour de cassation qui fait office de président du CSPJ il déclare conformément à article 75 décret 22 août 95 sur organisation judiciaire là et reprise des travaux judiciaires et activités judiciaires pour année 2019-2020. Donc cela sous-entend que et pas gagner non seulement cérémonie en cour de cassation et matin comme d'habitude et les, en même temps tout donc les doyens et au niveau des différentes juridictions et les présidents des cours d'appel au niveau des différentes juridictions de province yo même tout yo pas gagné pour yo al faire et cérémonie matin. Faut nous attirer attention tout auditeur auditrice qui attendait et radio matin que et la loi et pas fait, alors, décret 95 là, dans disposition article 75 là, lui dit que, et, année judiciaire là, lui est commencé premier lundi du mois d'octobre. Et lui prend fin le dernier vendredi du mois de juillet. Mais c'est ça seulement le législateur a dit. Lui pas dit, est-ce que doit y avoir une cérémonie d'ouverture ou bien que doit y avoir une cérémonie de fermeture. Dans la pratique, toujours une cérémonie d'ouverture, mais pour mettre fin à l'année judiciaire, là, pas contre une cérémonie. Puis nous arrivons dans le dernier vendredi du mois de juillet, nous tout simplement connaît que nous rentrons dans la fin de l'année judiciaire. Là. Donc, année ça, en fait, nous regardons la conjoncture pays, hein, donc, avec passant de responsabilité,
donc il était recommandé pour que décision ça prend. Et là, nous croyons que c'est une façon pour nous capables d'éviter des casses et en même temps exhorter tous les collègues magistrats à la prudence. Parce que, en fait, nous n'avons pas la main que gagner exposé non seulement collègues magistrats et avocats et tous les citoyens et citoyennes et justiciables qui ont bien assisté avec différentes cérémonies traditionnelles. Nous sommes capables de faire des débats après le fait à travers les médias pour demander est-ce que le mémorandum ça est bienvenu au sens, du point de vue légal, du point de vue juridique. Eh bien, on a dit en clair, pas qu'il n'y a aucune obligation, aucune exigence légale qui est faite pour une cérémonie. Donc, c'est une cérémonie solennelle qui est faite là, donc c'est la tradition qui le veut. Mais et par la force des choses, donc ANEA, avec ça de responsabilité, moi je crois que et nous devons féliciter le président du CSPJ et certainement les conseillers au niveau du CSPJ qui comprennent que ils doivent prendre telle mesure de sagesse pour préserver différents tribunaux et cours également et les avocats, les juges et tous les citoyens et citoyennes qui sont capables d'assister à la cérémonie. Ça. Donc, pas de quoi gain invitation qui lancé? Bon, et dans certaines juridictions, tu as gain invitation, mais à partir du moment où le mémorandum a sorti, donc, puisque pas de gain cérémonie, donc, nous faisons appel à la compréhension et tout le monde qui te recevra l'invitation, quoi que conjoncture politique là tout, expliquer que, par sagesse et décision, ça t'a de prendre, quoi, tout le monde a compris ça, puisque nous sommes citoyens et citoyennes et paysans. Mais n'a pas profité tout pour que nous demandions à tout le monde qui était capable peut-être de faire des mouvements revendicatifs pour et préserver et différentes institutions, et parmi lesquelles les tribunaux, parce que en fait, ces institutions nous appartiennent, et nous appelons à nos services, et nous croyons que c'est qu'il y a des gagnants contre eux, c'est comment nous sommes capables de renforcer eux afin qu'ils soient capables de devenir plus efficaces. Donc là, nous avons une situation là, à côté, une situation de crise, et même, ou même là, comme monde qui n'a pas défendu le droit magistrat, le message là, dans l'occasion, ça, qui s'allie? Bon, le message là, c'est que, d'une part, permettre que quand même, on souhaitait une bonne année judiciaire 2019-2020, avec tout collègue magistrat et tout le monde de la basoge, tout professionnel du droit, également à tous les justiciables, captants témoins, et sur tout le territoire république là. Et bon, nous souhaitons que, et sans nous pas pour nous prononcer, non, de façon politique, c'est-à-dire nous pas pour nous prendre position politique partisane, mais nous avons souhaité que, avant longtemps, qu'on issue qui joigne, une issue qui favorable à l'intérêt général là qui joue par rapport avec crise politique qui vient là pour ta cap permettre à ce que tribunal yo fonctionne normalement ainsi que toute l'autre institution en d'un pays et ensuite bon nous regrettons que année ça encore nous commencé et avec même budget 2017-2018 là donc on a que budget qui là son budget 2017-2018 qui était en septembre 2018 rectifié. Et, mais encore, même budget ça a été reconduit, et année ça, donc, vu conjoncture, pas gagné au nouveau budget, qui sous-entend que, ensemble de défis qui gagnent au niveau de la justice, que ce soit en termes d'infrastructures judiciaires, que ce soit et en termes de moyens et matériels de travail, et que ce soit en termes de traitement pour magistrats, donc, il n'y a pas encore été les mêmes, et malheureusement, magistrats viennent de plus en plus appauvri parce que c'est pas qu'après et en 2012 par exemple et je crois que à l'époque c'était environ 40 gouttes et 58 gouttes pour dollars et aujourd'hui on a besoin 95 gouttes pour dollars qui expliquait que pouvoir d'achat des magistrats en général à tous les niveaux viennent complètement diminuer. C'est le cas également pour toute l'autre professionnel qui a travaillé au niveau de l'État et au niveau du privé. Donc, nous espérons que le wagon issue capable de joindre et dans la crise paysan, ça va le permettre à ce que est capable de gagner un document de budget général de l'État qui prend en compte différents besoins et qui gagne dans différents secteurs.
secteur d'activité dans le pays, et parmi lesquels la justice, pour que nous commençons vraiment à adresser les problèmes de fond de la justice en termes d'infrastructure, les problèmes structurels, problèmes de cadre formel, parce que nous remplissons le texte de loi qui mérite de modifier, problème de modernisation système. Il faut que ça commence à poser, sinon nous avons construit l'état de droit. Donc, encore année ça, nous regrettons que nous avons commencé et avec une année judiciaire qui est difficile, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes contraintes, mais nous étions très optimistes parce que nous croyons que nous avons une solution et avec crise politique là pour que l'État recommence à fonctionner bien et pour que, j'aime ce dire là, gagner un document de budget qui prend en compte différents besoins qui gagnent pour différents secteurs d'activité et notamment la justice. Et c'est comme ça, nous croyons que nous sommes capables de commencer à respirer en termes d'efficacité que nous avons besoin pour la justice capable d'avoir un minimum de satisfaction à la population hein, et pour que effectivement la justice commence à jouer comme étant axe fondamental dans la construction de l'état de droit en Haïti.